Le vendredi 24 septembre dernier, c'était jour de fête dans le petit village provençal de Gordes, dans le Vaucluse. Louis Sarkozy, le fils de l'ancien président de la République et de Cécilia Attias, disait oui à la belle Nathalie Ouzic. Dans l'assistance, de nombreux proches du jeune marié étaient présents, parmi lesquels Carla Bruni, la nouvelle femme de son père, mais aussi Giulia, la fille âgée de 11 ans de Nicolas Sarkozy et de sa nouvelle épouse, Judith et Jeanne-Marie, les demi-sœurs de Louis dont le père n'est autre que Jacques Martin, ou encore Jean, son demi-frère et l'aîné de la première union de son père. Tout le monde était là. Tout le monde? Pas vraiment. En effet, Pierre Sarkozy, né lui aussi de l'histoire d'amour entre Nicolas Sarkozy et Marie-Dominique Clioli, était, quant à lui, absent. Selon les informations de nos confrères de Voici, celui qui est producteur de rap et de hip-hop français, mais aussi DJ à ses heures perdues sous le nom de scène de Mossé, était retenu par des engagements professionnels. Les deux frères devraient se retrouver, dans les prochains jours, pour fêter ensemble cette belle union. Louis Sarkozy, des photos du mariage dévoilées par la sœur de la mariée et par le maire de Gordes sur son compte Instagram, Yana Ouzic, la sœur de la mariée, a récemment dévoilé des photos du mariage de Louis Sarkozy avec Nathalie. On peut notamment y voir les deux mariés s'embrassant amoureusement. Richard Kitef, maire de Gordes, a, lui aussi, partagé, sur son compte Instagram, quelques photos de l'union qu'il a célébrée. Cela fait 5 ans que l'office de l'ancien président de la République partage sa vie avec la jeune femme d'origine croate et monténégrine. Il a fallu attendre 2019 pour que le couple officialise leur relation. Installé aux États-Unis, Louis Sarkozy et Nathalie Ouzic sont des amateurs de voyage. En juillet dernier, ils étaient notamment en Grèce pour certainement évoquer, au calme et sous le soleil, les derniers préparatifs de leur union. Louis Sarkozy marié, quand son ex, Capucine Annave, balançait de fausses informations sur cette union par le passé, Louis Sarkozy a été en couple avec Capucine Annave, ancienne candidate de télé-réalité et désormais comédienne. Début septembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, la jeune femme, enceinte de son premier enfant, avait fait des révélations sur le mariage de son ex. CIST dans 2 mois, avait-elle alors lâché, se trompant au passage sur la date de la cérémonie. Capucine Annave a été la petite amie de Louis Sarkozy de 2014 à 2016. Elle garde un très bon souvenir de cette relation comme en témoigne cette déclaration faite en février dernier dans les colonnes de Paris Match, « Je garde un excellent souvenir de ma relation avec Louis. Je chéris les moments passés avec sa famille. Je n'oublierai jamais leur bienveillance à mon égard. Nicolas Sarkozy m'a beaucoup défendu. » À propos de l'auteur Arthur Lerouze, derniers articles.